Bonjour tout le monde, je vais vous proposer dans cette petite vidéo un enchaînement de yoga. Donc on va un petit peu s'échauffer avant de commencer. Donc ici on se met les pieds, largeur épaule. On va inspirer, monter les bras et monter sur la pointe des pieds. Expirer, on descend les bras, on fléchit un petit peu les jambes. On inspire. On expire. On inspire. En même temps, essayez de caler votre respiration, toujours par le nez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. On va venir se positionner au bout du tapis. Donc on a les pieds serrés, le dos droit, les épaules basses, la tête droite. On calme bien sa respiration. On n'oublie pas à chaque expiration de bien aspirer son nombril, de bien engager son périnée, ses abdos. Sur l'inspire, on va monter les bras. On joint les mains au-dessus de la tête, on regarde les pouces. Sur l'expire, on descend le dos plat. On repose les mains au sol. Sur l'inspire, on se met en planche. Sur l'expire, on descend doucement sur les bras. Inspirez, chien tête en haut, on appuie sur les mains et les pieds, le dessus des pieds. Expirez, chien tête en bas. On repousse bien le sol, on allonge bien son dos. On resserre ses deux pieds. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, on redescend en planche, on ramène le genou sous le buste. Inspirez, encore en haut, la jambe. Expirez. Dernière fois. Expirez, on va reposer le pied droit devant. Et sur l'inspire, on redresse le buste. Guerrier 1. On calme bien sa respiration. Le pied derrière bien au sol, légèrement ouvert. On inspire, on ouvre. Guerrier 2. On ouvre le pied gauche derrière. On tend les deux jambes, on pose la main droite sur la jambe droite, on fait glisser la main sur le tibia, on tire la main gauche vers le plafond et on regarde la main gauche. On a les épaules bien en ouverture, on descend la main si vous pouvez jusqu'au pied, mais si c'est trop dur, vous restez au niveau du tibia. Calibrez toujours votre respiration. Inspirez, on revient. Expirez, on se repositionne Samasthiti. Inspirez, levez le genou droit, toujours le droit. On va venir positionner les bras en croix comme si on repoussait des murs. On va venir mettre la cheville droite sur le genou gauche. On ouvre le genou droit sur le côté. On vient joindre les deux mains. On met les pouces sur le cœur. On se penche un petit peu en gardant le dos bien plat. On reste toujours sur le pied gauche, on prend le pied droit avec la main droite, on se penche en avant, on lève le genou, on repousse le pied contre la main et on vient tendre le bras gauche devant.
on revient doucement. Ça m'a titi. Recalez bien votre respiration, recentrez-vous. On va relever la jambe droite. On va venir caler le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On joint les deux mains, les pouces sur le cœur. On cale sa respiration. Et le grand A, on va mettre les mains au-dessus de la tête. Désolée, on va pas mes bras. Donc j'ai les mains au-dessus de la tête. Les bras ne sont pas complètement tendus. Les épaules restent basses. Et on cale toujours sa respiration. On revient, ça va Siti. Donc là, vous allez remettre la vidéo quasiment au début pour refaire le côté gauche. Et on va terminer juste sur un étirement. Donc là, vous avez fait le côté gauche. Donc on se met les pieds en écart. On va bien bien écarter les pieds. On garde les deux pieds parallèles. Les mains sur les hanches et on va descendre doucement le dos plat. Calez bien toujours votre respiration. On va venir reposer les mains au sol. Donc on a les mains largeur épaule, bien à plat au sol. On a les mains sur la même lignée que les pieds. Et ici, on tire un petit peu sur les bras. On va relâcher le buste vers le bas. On essaie en même temps d'allonger un petit peu son dos. Et on va diriger la tête vers le sol. Calez bien toujours votre respiration. On redresse le dos, on va resserrer les pieds un tout petit peu plus large que les épaules, on écarte un peu les pointes de pieds sur les côtés, on fléchit les jambes, on joint les deux mains et on termine sur cette posture. J'arrive. Oui. Faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Ça n'a jamais pris autant tout son sens. Voilà. Ça ira pour aujourd'hui. Merci.